Yo, ça va? Ouais, toi? Un peu crevé, ça va? Fatigué, fatigué. Hein? Fatigué, fatigué. Ouais, en même temps, je suis levé depuis 2 ou 3 heures du match, Ah, bienvenue au club. je crois. Ah J'irai dormir tout à l'heure, je sais pas, à 9 h, un truc comme ça. 9h, c'est bien. Comme ça, tu te recales direct, bien. Ouais, bah, de toute façon, moi, je descends en ville, donc ouais. Ah non, laisse tomber, j'étais chez ma copine hier, mais. Ah. Bah ouais, elle habite à 1 heure de route. Après, vite les détails, hein, je suis en live. Hein. De toute Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. façon, après les rediff, personne ne peut les voir. Donc, après, ça passe. Non, non, mais il y avait pas de truc bizarre, c'était juste qu'il y avait 1 heure de route, quoi. Ok. Et ce qui fait que je suis rentré à 22h30 chez moi, donc couché à 23h, sachant que je me réveille à 3h30 pour le taf. Voilà. Ah ouais. Ça pique! Ah Est-ce que je vais ouais. faire une bonne sieste cet après-midi? Bah, rien du tout. Ah, du tout. Ah ouais, du coup, pour LOL, c'est chiant là. J'aurais bien voulu faire une partie là. Bah... Faudrait que je recrée un smurf. Ouais. En vrai. Ah, mais je crois qu'au début, faut pas que je sois niveau 30 ou un truc comme ça pour faire des Si. roquettes. Oh. Oh, ça prend trop de temps, laisse tomber. Si. C'est dommage. C'est pas grave. Après, ça m'empêche pas, je m'amuse bien, tu vois. Bon, comme je joue tout le temps à DC, c'est tombé, quoi. Ah, tu devrais vraiment prendre un autre poste, hein, parce que tu peux carry aussi. Ah non, à DC, je peux carry, mais des fois, c'est compliqué, mec. Ah. Il y a des games où j'arrive à carry. Et les games où je peux pas carry, quand les mecs ils font trop de la merde, c'est un jeu, quoi. Bah, le problème c'est que justement en fait ADC tu peux carry mais t'es trop dépendant de ton mate donc s'il fait de la merde bah, c'est foutu. Alors que quand t'es sur un climb, bah pour moi tu peux carry, t'es tout seul. Mais je commence à faire des dingueries avec la Samira. Hein. Samira, ouais. Je Ah bah crois. ça pique non? Ça pique Ouais. mais. Ces 2-3 dernières saisons et celle-là comprise, c'est pas trop les saisons des ADC quoi. Ma meilleure réussite, c'est d'avoir fait claquer mon R 3 fois de suite dans un seul combat. Ah! Oh, attends, il faut que je fasse voir quelque chose. Oh Même plus que 3 fois. Parce qu'après, on avait push sur la lane, les mecs étaient revenus, ça avait continué, tu vois, mais j'arrêtais pas de claquer du verre, quoi. Ça m'avait marqué la game, c'est pour ça que je m'en souviens. Je sais pas si c'était ça. Non. Non, non, c'est pas ça. Après, si tu veux, je peux tester, hein. Je lance et on voit si on peut lancer ensemble, mais ça m'étonnerait. Bah ça m'étonnerait ouais. Là je passais gold en plus du coup c'est foutu. Ah bah oui, voilà, c'est mort. Mais en plus, t'es gold, j'aurais même pas pu jouer avec toi. Bah ouais je joue avec un. Bah je joue avec Mitch. Il est bronze 1. Ah il est en match-up là pour passer silver du coup moi j'étais argent mais bah ouais ça monte petit à petit puis bah. Ouais, tant pis. J'ai pas un autre compte là, ça fait chier, j'aurais bien voulu jouer quand même. Mais Tarkov, tu joues plus? Non, non. J'ai arrêté. J'ai arrêté, je trouve que tout au début. Tu sais que ce wipe il est beaucoup plus dur. Ouais, bah en plus, la nouvelle map elle est tombée. Je sais plus comment il s'appelle là, mais apparemment c'est cheaté. Les nouveaux bots Oh, c'est des raiders. là. Ouais. En fait, il y a un bâtiment, ils appellent ça des rogues, mais c'est pas des rogues. Enfin, ils ont mis le nom de rogue quand tu les tues. C'est des raiders. Si par un Ouais. américain, tout ça, tu vois. C'est juste des raiders avec un autre skin quoi. Non, c'est les américains. Des skins Ouais, américains. enfin, Et quand. ouais, mais en fait, en soi, c'est ça, c'était juste des raiders, mais ils ont changé de skin, ils ont passé avec un quoi. Ouais, quand je parle de skin, je parle de leur tête et tout ça quoi. Oh, bah, les raiders base militaire, ils sont américains. Hein. Ils sont américains aussi? Ouais, j'ai Ouais. oublié. Il parle anglais et tout. Américain. Mais à ce qu'il paraît, ils vont foutre plein de boss partout, j'ai entendu dire ça. Bah je sais que Genre. sur Street of Tarkov t'as 2 ou 3 endroits où il y aura des boss. Mais je parle pas de ça, je parle de phare. Ils veulent faire la map, ils veulent faire en sorte qu'il y ait un vendeur sur la map. Je sais Oh un plus. vendeur, ah ouais. C'est Loubac qui m'expliquait ça. Ils veulent faire en sorte de mettre un vendeur sur la map, je sais pas comment ils vont faire ça. J'avoue. Et ils veulent faire en sorte qu'il y ait plusieurs boss à plusieurs endroits sur la map.
Mais c'est chaud parce que le vendeur là il va se faire camper hein. Il va y avoir des mecs qui vont rester qui vont rôder autour Je sais quand pas tu vas comment arriver ça dans va sa partie marcher. shopping Je sais pas. Mais ça va être pareil. pour l'instant c'est free loot là-bas parce que ça en fait c'est comme lab là-bas. Le phare, ah ouais. Ouais, si tu. Enfin après. Après, faut avoir je sais pas combien d'heures du jeu, mais quand t'arrives à tout éclater dans le jeu, dans la map, à tuer tout le monde, à rester vivant, si t'arrives à fouiller des bons bâtiments, tu ressors avec 3-4 millions sur toi Ah ouais, bien. quoi. C'est n'importe quoi quoi. je l'ai fait deux trois fois là, en scav, elle m'avait l'air bien pas enfin, bien sympa en tout cas. Mais là, le web cette année là, il est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont nerf le marché de ouf. Et de ouf. Ouais, mais ça c'est pas un mal ça je trouve. Oh non, tu peux plus rien faire, tu peux plus rien acheter, tu peux plus rien vendre. Ah, c'était trop pété. Hein. Tu peux vendre et acheter que des cacahuètes quoi, mais bon. Du coup là j'ai ma table à Bitcoin qui est en construction mais j'ai que 145 000 roubles. Ah ouais, bah ouais, ça fait mal, hein. Ah, c'est la PLS gros, c'est la PLS. Je sais plus qui c'est que j'ai Je fais que vu, des qui games a au mis en gun gros. mode. Je fais des games TT, je bute 2-3 mecs, je prends leurs armes et je vais jouer avec. Ah. La quiz. Je fais que ça gros. Que ça. J'en ai rien à foutre. Voilà. Vas-y, si tu veux, on peut se faire une petite game. Hein. Deux. Bah, de Tarkov, si tu veux. Ah, si t'es chaud, ouais, mais sinon, si t'as pas envie, tant pis, hein. Vas-y, je fais une petite mise à jour et vas-y, on va s'en faire une petite quand même. Mais y a une file d'attente et tout, Ouais, j'ai vu ça l'autre fois, je me suis connecté, j'ai vu, j'étais 23 millième. J'avais, je sais plus, 20 minutes d'attente, j'ai fait, c'est quoi ce délire? hein. Ah, mais dans les gros pics, c'est carrément une demi-heure, même plus que ça. Ouais, ça m'étonne pas, il y a du monde sur le jeu. Hey, 17 h, ça commence. Mais apparemment, enfin, la mise à jour, putain. Apparemment, tu te fais déco des serveurs? J'ai entendu ça? Non. Non? En fait, des moments. Comment t'expliquer ça? Quand ton jeu il a. Comment dire? Tu sais, des fois, quand tu lances ta game, quand tu lances Ouais. ta recherche de game, des fois Ouais. ça plante, ça te ramène au menu. Oh, ça me l'arrive pas souvent ça. Ouais, mais Mais ça arrive de temps en temps. Et tu sais, des fois ça revient au menu, puis d'un seul coup t'as le menu, mais t'as pas les écrits. Ouais. Mais en fait, faut juste attendre. C'est parce que le Ah, ça va serveur. relancer la game. Bah non, c'est tant que le menu il charge en fait, c'est que les serveurs sont en PLS. Ouais. Et les gens ils sont pas patients, ils font le TF4, puis ils se remangent une file d'attente pour rien. Ah bah ouais, là maintenant, ouais. J'avoue, je suis bah, 14 000, ouais, 14 000 devant moi. Bah. 14 000, oh ça va. T'as vu Star Citizen, ils ont sorti la 3.16 en live. Ouais, j'ai vu. Je Bon, matais quelques après, streams. je crois qu'il y a quasiment rien. Ils ont juste refait Jump Town et puis. Ouais, y'a rien de nouveau. Ah, Rien de grand chose. j'attends un an ou deux avant d'y retourner parce que j'en peux plus. Je le tiens un jour, tu vois, Ouais. mais. Ouais, faut attendre la 4.0 en vrai. Ouais, c'est ça. Là, je pense que c'est vraiment ça. S'ils sortent pas Pyro, je ressens un peu sur le jeu. Rien à la foutre. Hein. Ouais, bah de toute façon, tant qu'il n'y a pas Pyro, il y aura pas les... Enfin, tant qu'il n'y a pas le serveur machine, il n'y aura pas Pyro. Mais justement. Ils avaient déjà enlevé des lamars et tout. De toute façon, Day Before il sortira avant. Ouais, Ouais. pas mal la petite vidéo là. Juin, Bah, il sort quand? En mai? Juin? Je sais plus. Juin, ils juin. ont avancé la date. Au début c'était juillet-août, ils l'ont avancé, c'est juin maintenant. Ouais, après, encore pareil, faut se méfier. Non mais Parce que ça donne envie de fou, mais. s'ils l'ont avancé, c'est qu'à mon avis le polishing il avance plus vite que prévu. Ah, vu, ouais. Ah, j'avoue que j'ai de l'espoir en ce jeu, j'ai de l'espoir. Mais bon, on a tellement été déçus. En plus, là, par contre, il sort pas en early access, quoi. Il sort vraiment en jeu fini, quoi. Ouais. Ça va nous changer, quoi. Ah, ça fait du bien parce que franchement j'en ai marre de tous ces jeux de merde qui sortent en bêta, testé, je sais pas quoi, early mon cul, oh, j'en peux plus. Bah, ils sont top, hein, mais enfin, les développements sur 10 ans. Bah eux ça fait 10 ans qu'ils sont en dev. Hein. Qui ça? Bah Day Before. Ah ouais, 10 ans? Bah pas 10 ans mais je sais pas, peut-être Pas 5 ans au longtemps, ouais. moins tu vois. Un truc Bah, comme je ça. pense, hein, pour que ça soit aussi avancé. Est-ce que la première fois que j'ai entendu parler, je te connaissais pas en fait. Ah ouais? Bah ouais. Non, mais en plus, je crois que c'est une petite équipe, hein. Ouais. La toute première Donc, fois que j'ai entendu parler, je jouais avec des gens sur DayZ encore. Ah ouais, à l'époque, ouais. Donc ça date quoi. The Ça day date before. beaucoup.
Bah, je sais pas s'il va y avoir des petites bêtas avant ou quoi. Je sais qu'il y en avait déjà eu, il me Mais en semble, des petites fait, bêtas. quand j'en avais entendu parler, je jouais avec des gens sur DayZ, et ces gens-là étaient faisaient partie des gens qui faisaient partie de l'équipe de test. Et ils m'avaient dit, ouais, viens et tout, va Ah. sur le forum, dépêche-toi, fais une demande avant que ça se ferme et tout, machin. Et j'avais fait, ouais, non, ça a l'air pourri comme jeu et tout, éclaté. Et maintenant, je regrette, tu vois. L'erreur, l'erreur. Ah ouais, je regrette. Parce que là, à ce temps-là, je pourrais tester le jeu, tu vois. Bon, je pourrais pas stream, c'est sûr, mais... Je pourrais y jouer, tu vois, pour tester. Par contre, leur site est toujours aussi pourri. Mais y a rien. Ouais, y a rien, Ils ont ouais. tout fermé, en fait. Avant, t'avais accès à un forum, en fait. Où tu pouvais Ouais, faire ta je... demande d'accès au test, etc., machin. C'est chelou quand même qu'ils aient tout fermé. Ils auraient pu au moins laisser un forum, quoi. Enfin, même si je Bah sais pas que j'en pense non. pareil, quoi. Mais ils ont fait exprès. Ils ont fermé le forum et ils ont gardé leur équipe de test et basta, quoi. Là, c'est Ouais. pas Enfin, comme... c'est quand même étonnant que c'est bien la première fois qu'un jeu comme ça ait pas de site dédié officiel, quoi. Ah, c'est comme Rockstar en fait, hein. Ils font pareil. Hein. Oui, c'est vrai que Rockstar. Bah, je sais pas, j'avoue, je suis jamais là-dessus, mais. Rockstar, quand ils font un jeu, t'es courant de rien. Ils ont une équipe de test, elle est très close, enfin très fermée, tu vois. Bah, c'est limite des professionnels. C'est ça. C'est pas des streamers ou des trucs comme ça, mais bon. Ouais, bah. Ouais. Okay. Après, des vrais testeurs de jeu, c'est des mecs que tu payes quand le jeu est fini en fait, surtout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai, vraiment des alpha testeurs, mais comme à l'ancienne, quoi. Des vrais. Bon, bah, c'est long. T'es en jeu? Non, 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 bah, j'attends. Un peu bon, je t'attends tranquillement. Plus de 8000 personnes encore. Bon, ça va, Déjà, bah, dans 5 minutes, t'es là. On s'est mangé 20 000 là juste avant. ah ouais, dur. Bah, je vais regarder ce qu'il dit. De toute façon, les serveurs test, ils ont fermé là. Je Ouais, voulais. je crois qu'il n'y a plus personne à part les développeurs qui peuvent y jouer là. Non, mais. Ah, si, si. Ah, si. Mais c'est Ah que là, si. ils ont fermé les serveurs test tant qu'ils règlent le problème avec les serveurs. Parce que là, en fait, ils ont des problèmes avec les serveurs, apparemment. C'est pour ça qu'on se mange des files d'attente. Il y a Dying Light 2 qui sort aussi, je sais pas si. Ouais, bah, ça, j'y joue pas trop. Ouais, bah je l'ai téléchargé. Ah, c'est Dead by Daylight, rien à voir. Enfin, c'est pas que j'y joue pas trop, c'est que j'y joue pas du tout en fait. Ouais, j'ai jamais testé, je crois, pourtant ça peut être pas mal, mais. Honnêtement, je pense pas que je vais m'acheter le jeu à ce moment-là parce que je viens de payer ma dernière amende là. Ça m'a fait mal au cul. 154 boules. Ouh. Ah, pique un gros Ouh. coup de boule dessus, t'es en mode de ouh. Mais c'était la dernière d'une très longue liste. Ah non, j'ai plus d'amende, c'est fini. Voilà, ça fait 10 ans que je paye des amendes. J'ai fini de payer là, c'est bon. Je suis libre. Je suis libre. Il y a un autre qui envoie de la merde. Non. Là, le mois prochain, je vais pouvoir choper ma nouvelle tour. Rechanger Ah, tu rechanges de tour? Non, le matériel, je change pas. Mais la tour, je la Ah, change et ouais, juste la le tour, ouais. water cooling, je le rénove. En fait, je change mes deux pompes de water cooling. Ouais. Je vais rajouter le radiateur qui est à côté là, qui est toujours pas branché. Et je vais changer la tour. C'est quoi, c'est que tu sens que les pompes commencent à être fragilos? Attends, ça fait un moment que je les ai, je préfère les changer avant qu'elles craquent. Je sais très bien que ça va craquer. Bah, surtout qu'en plus, à mon avis, je pense que cet été, on va se taper un été de bâtard avec des grosses chaleurs. Je sais pas pour toi, mais Je prévois le coup, non. avec la saloperie de réchauffement planétaire là. Bah, non, mais attends, la semaine dernière, j'étais en montagne. Enfin, j'étais en montagne, j'étais en Auvergne. Le 30... 31 décembre, j'étais en t-shirt. Il faisait trop chaud. On avait 20 degrés quoi. D'accord. C'est fou. Intéressant. 31 décembre. Mais ouais, il y a quelques jours là, même ici, là, il faisait 12-15 degrés quoi. Bah c'est un truc de fou qu'on est en janvier quoi, début janvier. Normalement C'est c'est de la ça. neige, pull verglas. Bah là, il fait combien là, je vais te dire.
Bah là j'avoue j'ai pas froid. Hein. Ah, nous ici ça caille un peu quand même, il fait 7 degrés. Mais bon, tu vois, c'est pas Bah froid 7 quoi. degrés, ouais non, ça va. Hein. Il y a 10 ans de Normalement ça, à ce c'est moins soir-là, 10. il... ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que là, ouais, ça a fait abuser. Ouais. Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est je vais t'aider à faire tes petites quêtes, hein. Ouais, c'est juste des petites quêtes à la con, du genre il me reste une Salewa à trouver. Ah. Puis je sais pas, après, je sais pas, Est-ce que si je j'ai t'enfile une que j'ai trouvée en raid, tu peux la ramener? Bah, je crois qu'à partir du moment où que toi tu l'as récupéré, c'est plus en raid du coup. Si toi tu la prends avec toi et que tu me la balances, je crois pas. Ah non, non, ouais, t'as raison. Il me semble pas, ouais. Et il manque juste 2-3 petits trucs pour les crafts, mais. Et je sais plus trop ce que j'ai comme quête aussi. Il faut encore une quête journalière? Ouais, c'est toujours. Ça, c'est pas trop mal, ça, je trouve. Par contre, le délire du Père Noël, tout ça, là, ça m'a enculé ma réputation de fence. Ah, j'ai pas vu ça. En fait, ils ont fait un espèce d'event de Noël et t'as un Père Noël qui se balade sur la map. Et quand tu le croises, il te jette du loot, tu vois. Sauf que je l'ai buté une fois et ça m'a direct mis à moins je sais pas combien au niveau de fence. Et plus ta réputation est négative, plus ton scav est Ah ouais. long à venir. Et puis il est mal stuffé. Et non, non. Non, Mais ça va par pas. contre, tu te fais beaucoup plus aggro par les raiders et les boss. Ah. Ouais, puis c'est Du chiant coup. que bon, ce cas, il met du temps, quoi. Mais par contre, au niveau du stuff, ça change rien parce que j'ai eu plusieurs 4 labs d'un coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas le stuff que tu as sur toi quand tu pop, c'est le stuff de quand tu comment tu es armé, etc. Non. Ouais, bah SVD, tout ça, non, ça change rien, gros. Non. Non, Ouais, non. pour regagner de la répute, il faut que tu sais que tu prennes des sorties payantes, des Ah trucs non, comme même ça. quand tu sors à chaque fois en scav, tu gagnes 1. 0,01, Ouais. tu vois. Donc c'est Ouais, bah en pas. fait, non, je crois que ça y va, que ça descend crescendo. Mais ouais, c'est vraiment Non, minime. non, ça bouge pas ça. À chaque fois que tu sors d'un run scav, tu gagnes 0,01. À chaque fois. Ah non, ah non, mais je te parle pas de ça. Quand t'es en PMC. Oh, ça y est, ça lance le jeu. Ouh. Quand t'es en PMC. Attends, non, je suis. Merde, je suis Ah con. si 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 si. Si, ouais, quand t'es en PMC et que tu utilises des sorties payantes, etc., je crois que ça te fait gagner de la Ouais, rep. même en scav aussi, ouais, c'est pareil. Même en scav, c'est pareil. Les sorties. Mais c'est pas les sorties payantes, même les sorties à deux, là. Les sorties scav PMC. Oui, ah oh bon, alors ça va, par contre, bon courage. J'en ai fait qu'une. Ah ouais, t'as réussi à en faire une quand même. Ouais, un jour je me baladais, y'a un mec qui m'a aggro, il fait. Enfin, il vient vers moi, et il fait hello. Scav, I'm a PMC, follow me, let's take the extra. Enfin bref, il m'a expliqué comment on va prendre L'extract, ouais. l'extra et tout ça machin. Je vais, ah, vas-y, pourquoi pas. Why not? Je sais plus c'est quoi, j'ai configuré ma touche pour parler, je sais plus c'est laquelle. Ça marche Et. bien, ça va, on entend bien? Ouais, il y a des moments où c'est un petit peu laggy, mais c'est rare. Bon, ça va alors. En fait. Tu vas entendre les gens bien, puis par moment ça va te faire un peu comme s'il y avait de la friction sur la ligne, tu vois. Mais c'est rare. Bah pourquoi c'est. Pourquoi il est grisé activer, désactiver, VOIP? Appuyer pour parler, c'est désactiver. Faut Ah, que c'est tu un delay l'actives dans quand tes paramètres. Comment qu'on fait audio peut-être? Non. Activer VOIP, ok. Mais le bouton, le raccourci activer, désactiver VOIP, supprime-le. Parce qu'en fait, D'accord. c'est pour l'option en fait. C'est pour l'activer ou le désactiver. Enfin, ce qu'il te faut, Ah c'est oui, le push d'accord. to talk, toi. Ouais, c'est juste appuyer pour parler, ouais. Faut Ouais, juste talk c'est c'est cap, ça. ok. C'est juste cap. L'autre option, Ok. si tu appuies dessus, ça va couper ton vocal en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, non. Et ouais, du coup, pour revenir à cette histoire de réputation, un jour j'ai buté un Père Noël, ça m'a mis en négatif, du coup j'ai pété un câble et tous les Pères Noël que je croise, je les encule. Et quand je vais en scav, je bute tout ce qui bouge. Ah ouais, t'es pas Ah gentil. ouais, j'y vais jusqu'au. Ils veulent me faire chier? Bah moi je vais les faire chier, moi. T'inquiète. Le profusé à pompe. Et du coup, au final, c'est que bénef, parce que chaque fois que je fais un scav, je bute pas le monde, je ramène pas le stuff, parce que les mecs ils sont tous là en mode Friendly, Friendly. Ouais, attends, vas-y, viens, Friendly, viens, enculé. Ouais. T'inquiète. Elle est pas Mes gentille. balles à souffrir lui. Ouais, Oh, j'en ai rien à foutre, bon, attends. Aucune pitié. je m'équipe hein, tranquillement. Ouais, tranquille. C'est comme tout à Je l'heure, fais je une fais le petite. littoral, gros. Je cherche des scaves, je trouve quelques scaves, j'en tue.
Après, j'entends quelques joueurs, Jean Putain au snipe, un autre au snipe, encore un autre au snipe, et que des mecs en début jour. Que ça, que ça, que ça, que ça. Et je me fais tuer par quoi? Par un connard qui arrive en pose caca depuis un bûche. Ah. Voilà. Ça fait rager des fois. Laisse tomber. Non mais c'est Alors, infâme. Toc toc toc, l'eau, non j'ai pas la flemme. C'est ouais, puis infâme. Tu vas comment toi? Tu vas quand même avec un casque et tout ça ou... Du son, une cagoule, mon flingue et mes chargeurs. Je vais réparer ça. Toutes mes games c'est que ça. Et je fais le sneaky. Enfin en fait non, je fais pas vraiment le sneaky mais. Ouais, on y va quand même tranquille quoi. Oui, Pas j'avance, en tu vois. mode bourrin. Mais je sais que s'il y a du monde autour, je vais essayer de lui mettre un brain, tu vois. Ouais, ok. Ou une belle balle, tu vois. Comme tout à l'heure, sur l'usine, j'ai buté un mec, j'ai fait. En fait, je savais qu'il y en avait un derrière moi. Je bute un mec en face de moi. J'ai mis un 180 boom one shot. Il devait être triste. Mais le TT, il est violent. J'ai buté du monde avec. Hein. Ouais, bah, je me suis un peu amusé aussi quand fallait faire la quête des kills au flingue là. Ah ouais. Il Non me mais semble attends, plus. je crois que t'as pas idée là. Sur ce web gros j'ai une quantité de kills au flingue gros t'as pas idée. Attends, dis un chiffre. Juste au flingue? Ouais. Juste PMC ou SCAV inclus? Que PMC. Enfin, je crois que ça, ouais, ça compte PMC. que PMC les stats. Je dirais une quinzaine, genre 15. Élimination au pistolet 178. Ah putain, mais what the fuck? Et au total j'en ai 321. Donc Bravo. j'ai vraiment tartiné quoi. Après j'en ai quand même 84 à la K tu vois. Comme ça. Ok, je regarde si j'ai pas un petit casque audio, je crois pas. Ah ouais maintenant j'y vais vraiment le strict minimum quoi. On va se foutre sur eux. Non bah ok, c'est bon, je suis prêt. Alors les quêtes. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai pénurie, donc du coup ça c'est récupérer juste une corne saléwa. Ensuite il faut que je récupère une clé USB. Je vais en prendre deux, j'en ai récupéré une déjà. Ah, tu pourras les craft de toute façon plus tard, ça c'est pas Ouais. une nécessité. L'armurerie est partie, hein. Bon bah ça voilà. Livraison du passé. Ah bah tiens, faut que j'aille dans le bureau des douanes et qu'après que j'aille à l'usine. Je peux faire ça si tu veux. Vas-y, de toute façon j'ai la clé, tu l'as la clé? Non, non, je l'ai pas. Attends, bah attends, je prends ma clé sur moi. Mettre ça là, hop. Il est où mon porte-clés? Si je me trompe bien, si je me trompe pas, c'est la clé, c'est. Custom, c'est la clé custom. Mais c'est l'HG, là, c'est ça. Elle est bleue, ouais. Non, mais elles sont toutes bleues. Bah, pas toutes, Ah mais oui, il y en a d'accord. beaucoup. Non, mais la clé s'appelle l'HG, ouais, c'est ça. Toc. Ok, bah je suis ready. Je me suis pas trompé. Ah, je vais peut-être prendre une adar. Bon, comme tu le sens, gros. Si t'as envie de prendre une arme, c'est ton. Enfin, tu vois. Mais je te gênerai pas, t'inquiète pas. De toute façon, tu me connais, je serai tout le temps devant. Non, non, bah tranquille, ouais. De toute façon, on va se faire une petite partie quelque chose. Ouais. Non, bah, vas-y, c'est bon, un petit BMP5 pour se mettre dedans. Je suis chaud. Attends, je fais une roue ça et j'arrive. Vas-y, vas-y. Douane, on a dit. On aura un petit 11h et quelques. Je vais peut-être me réinstaller Frostpunk. Envie de refaire ce Frostpunk, je sais pas, tu l'avais fait toi sinon? Frostpunk. Ah oui, putain, Frostpunk, c'est vieux ça. truc qui... Bah ça commence à dater un peu, ouais. Enfin, c'est vieux, non, c'est pas vieux, mais. Oh, ça date de 3 ans, ouais, peut-être 2 ans maintenant. Bah, c'est full solo en fait, ce jeu. Ouais, c'est ça, ouais, full solo, ouais. Mais il était bien. Ah, c'est vraiment cool comme jeu quand tu as envie de chill, quoi. C'est ça. C'est ça, et par contre, j'ai pas testé les DLC, apparemment ils sont bien et ça change un petit peu vraiment du truc. Ouais, je sais pas. Il y a un DLC, ça s'appelle le dernier automne. Et en fait, tu arrives sur les lieux où est-ce que plus tard avec l'hiver, tu vas t'installer. Sauf que le réacteur, il n'est pas encore construit. Ouais, j'ai vu Et que t'as quand accès à il des y... ports et tout. Je regarde la chaîne Galactic GT, enfin Galactic Tactique.
Ouais. Ah, tu sais la nana là que je te disais l'autre fois genre. Ah oui, ah oui. Et bah l'autre fois elle y a joué, je regardais le stream, mais franchement c'est plutôt propre. Je suis dans le lobby hein, si tu veux m'inviter. Nice. Ah oui, rien à voir du coup, je sais pas, t'aimes bien le fromage ou pas? Hein? Le fromage? Quel fromage? Non, non, mais du en général, t'aimes bien ça ou pas? J'ai pas compris là. Bah, du fromage. En général, de façon générale, peu importe ce que c'est en particulier, mais t'aimes ça? Le fromage? Ouais, du fromage, ouais. Ah, il y a un hors sujet là, j'ai pas tout suivi là. Ah non, non, mais c'est totalement hors sujet, mais. Mais ouais, pourquoi? Ouais. Ouais, parce que du coup, bah, je suis allé en Auvergne, justement, comme tu disais là, la semaine dernière. On Ah est bah t'as allé. ramené du fromage de là-bas, ok. Ouais, Ça y on est allé est, à la j'ai tout. ferme de Saint-Nectaire, mon gars. Pou, pou, pou. Ah ouais, c'est pas mon fromage favori ça. Ah ouais? Non. Bah ouais, j'avoue, moi non plus, mais. Il est bon quand même, En sympa. fait, les deux fromages que je préfère le plus, c'est de la tomme à l'ancienne. Ah ouais. Et du chèvre. Mais du chèvre du fermier, tu vois, Du. pas la brique de ma Peut-être. chambre, quoi. Oh bah non, mais c'est clair. T'as l'occasion, un de ces quatre tests du sel sur chair. Sel sur chair, c'est une tuerie. En chèvre? En chèvre, ouais. Sel sur chair. Ok. C'est un peu du cendré et c'est une tuerie. Honnêtement, le chèvre que je mange, c'est le chèvre qu'on achète au marché, quoi. Chèvre classique, quoi. Ah oui, fait directement par. Mais de temps en temps, il y a mon daron qui achète du chèvre poivré ou avec des goûts différents, là. Ouais, j'avais testé moi les chèvres entourées de fleurs qui se mangent. Oh, c'était pas terrible. Autour de quoi? C'est de fleurs, l'espèce de truc de fleurs qui se mangent. J'espère qu'il Du se coup, mange. t'as toutes les couleurs et tout, ouais. What the hell? Ouais. Je connais pas. Enfin, ouais, du coup, c'est sympa parce que t'arrives à la fermer. Et, tout est libre d'accès en fait. Tu vas voir les vaches, tu vas voir même l'endroit où est-ce qu'ils. Ça fait flipper à moitié. Ils sont dans une espèce de tourniquet les vaches et puis ils prennent leur lait. Ah mais toi t'as des serveurs à perpète toi là? Ouais, j'ai pris des serveurs. Alors tous les serveurs que j'ai, je crois, c'est pas des serveurs européens, Parce mais ils que sont tous à moins de 100 ping. j'ai 100 ping. Ouais. Ah, t'as 100 ping là? Ah merde. C'est pas grave, hein. Mais non, c'est pas rouge. Toi, c'est t'as pris les européens? C'est automatique. Moi j'en ai Ouais, rien à foutre. faudrait Je qu'on fasse sors pareil. pareil, tu vois. Par contre, le gameplay est beaucoup plus hardcore en automatique. Ouais, mais forcément, Faut sortir les doigts quoi. Tu tryhard. alors, est-ce qu'ils vont nous faire spawn? Je sais pas, pour l'instant, on est en attente des serveurs là. Je suis en attente de joueurs, moi. Ouais, non, mais c'est les serveurs surtout, je pense. Enfin, ouais, c'est les serveurs, ouais. Attends, Iram. Ouais. Et je pense que c'est dû au VoIP, à la nouvelle map. Plus le fait qu'ils veulent installer le DLSS 2.0 là. Ouais, j'ai lu ça hier ce matin. Moi ça fait Ouais, plusieurs. Ça fait un moment c'est. c'est une bonne chose. Donc, en tout cas, là, c'est. Ah, ça y est. C'est ultra fluide, hein, c'est propre. Comparé à avant. Oh. De toute façon avec les PC qu'on a, ça peut être que tu ça peut que de fluide de toute façon. Ouais, Il n'y a que les petites bah. machines qui subissent ces lags. C'est vrai. Nous on a que des free serveurs nous. Des bêtes de PC! C'est ça. Encore on n'est pas en. On est en mid-range, on est pas en max. Mais toi tu veux aller par là-bas toi. Alors attention quoi, c'est mieux automatique. Oh, je vais mettre en semi auto. Ah, je vais trouver un truc. Faire gaffe parce que ça peut arriver absolument vite que tu en fasses. Ah, soit on tempo, soit on y va direct. Vaut mieux avancer direct et escalader en bas, tempo en bas au pire. Donc là, je vais y aller en premier. Je vais y aller en premier, j'ai plus d'enduit que toi. Ouais, ok. À mon avis, il n'y aura personne. Bon, je vais te rejoindre. Pour l'instant, je vois R. Parce
façon on va passer par un trou là à droite. Tu veux passer par la droite? Ouais là, viens, viens. J'entends marcher. C'est moi qui t'entends bien. Je pense pas. Je sais pas en fait. Peut-être toi avec le lag. Peut-être moi, ouais. C'est toi le bois? Le bois, non? Il y a un bruit de bois là. Je crois que c'est dans la cabane en bleu. Putain, je l'ai tué en même temps qu'il t'a tué. Oh. Le mec s'appelle non RP time. Ah, fais chier qu'il t'a tué quoi. Ah bah t'as plus la clé. Ouais, bah faut que je sorte. Je vais essayer de sortir vite fait, bien fait. Voilà, j'ai senti que j'ai senti bien, putain. Cette question. Tu veux que je te récupère des trucs ou pas? J'avais mon gun. Hein. Attends, je vais. Bon bah, je vais essayer de m'extraire rapidement. Ouais, tranquille. Le flingue il est éclataxe. Prends ton TT. Ah, tu le prends? Ouais, bah comme ça, si je peux te le filer. Bah, j'en fais pas un autre alors. Un TT? Ouais. Bah, attends, je vais voir si je peux sortir de vivant déjà, on va voir. Si tu me prends mon TT, je viens sans arme. Ah, oui, ok, ouais. Avec les chargeurs, hein, de ce genre. Ouais, j'ai les chargeurs. Ok, bah c'est bon, alors vas-y. Je prends juste des balles. Alors attends, par contre, stop, faut que j'en rachète. Ouais, il me reste que 125 000 roubles, donc ouais, c'est mort. J'achète rien. À part des balles. Et des jets. Oh, j'ai la clé de Emercom. Emercom comme ça. Emercom, ouais, tu sais. Oh, je sais plus. Mercom, c'est dans le centre commercial. Ouais, peut-être. Au pire, je pourrais venir avec ça. Ouais, je n'ai pas compris. Ah, j'avais bien entendu marcher le mec. Bah, franchement, GG, ce que. Bah, je suis level 27, donc j'ai entendu mieux que toi. Ah, oui, bah, forcément. Et puis, t'avais le casque audio en plus, ouais. T'en as pas, toi? Non, non, j'avais pas le casque audio, j'en avais pas. Faut en acheter un, mec. Ça c'est la base par contre, si t'as pas de casque audio, t'es mort. Parce qu'il y a un petit scaf, je sais pas où là.
Si t'arrives à sortir, je vais rejouer le TT, sinon si t'arrives pas à sortir, je vais sortir une AK avec un stuff que j'ai looté sur un champ. Ça marche, bah je rush la sortie là pour le moment. Ah t'es déjà sorti? Non 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 non, je suis en train de la rusher là mais... Et j'ai coupé les uploads que j'avais là, comme ça j'aurai moins de ping. Je te laisserai m'inviter si tu veux, comme ça ça sera tes serveurs. Non. Non. Si tu veux faire tes quêtes pépères, va sur les tiens. Si on va sur les miens, gros, on va se manger tous les gens qui courent en tous les sens, plus les mecs qui campent dans les bûches, donc. Ah oui, ok. C'est un bordel, gros. Ça passe comme ça ou pas, ça passe pas. Non mais j'ai coupé le plot, donc là j'aurais pu avoir le ping que j'avais tout à l'heure. Je vais avoir le même ping que toi. Même ping que toi. Là j'arrive au niveau du camion où est-ce qu'il y a la quête, tu sais, où est-ce qu'il y a la montre à gousser. Ah tu vas à la ZB? Ouais. Attends, je vérifie que ça tourne bien. C'est ça, c'est pas de sa sortie. Moi aussi, ça va être ZB. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Du où on a spawn, c'est que ça. Ou la station au service, mais c'est pas sûr. S'il y a pas la fumée verte à la station, c'est mort. Je vais aller voir. C'est moi qui me tire dessus, il me tire dessus, ça va faire. Allez, scav, snipe, tout ça, maintenant il tire de très loin. Fais attention. Ah, c'est où, j'aurais pas le tuer? Ah, si, là, putain, et lui, y'a quoi? Là-dedans. J'arrive au niveau du pont, là où est-ce que t'as le train au-dessus, tu sais, juste en face de la station service. Mmh. Oh putain, je suis pas sûr, je crois qu'il y a des boss.
Ouais, il est boss. De moins. T'aurais été lent, ça serait mis tellement bien. Chier.
Ok. Radi. On est reparti. Vas-y, je me fous le lit. Merde, je suis parti échanger quelque chose. Douane. Je suis à poil avec un pompe. Hein. Oh, vas-y, vous en fous, t'inquiète. De toute façon, le stuff que j'ai, c'est gratuit. J'ai eu sur un joueur à qui j'ai mis une balle dans les dents. Quand tu vas voir le stuff. Oh lolo, ah ouais, c'est quoi cette arme? Je sais pas, bro. C'est une AK-105. Ouais, bon, je me baladais sur le littoral avec mon flingue. Le mec, il arrivait en courant comme une fleur. Et pouf, une balle dans la tête. Et... Oh merde, vite, retour. Retour. Ouais. Je viens de voir qu'il y a un viseur en trop sur l'arme. Ah. J'avais stocké un viseur dessus. Connerie. Désolé. Ah ouais, t'inquiète. J'ai pas vu ça. On va éviter de faire de la merde, quoi. Ouais, la lampe et le viseur, j'en ai pas besoin. Oh, quoi que la lampe, si. Mais... celui-là, j'en ai pas besoin. Hop. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, c'est tout bon. Je retourne à la vie. Allez, go. Désolé. Hein. Non, tranquille. En fait, j'avais le viseur normal et un PK à l'avant. Ah, ça t'aurait handicapé de ouf. Bah ouais, j'aurais pas pu viser. J'aurais pu l'enlever, mais bon. Allez, go. On va y arriver. Ah, mais c'est de ma faute là, genre j'étais un peu trop de temps, parce que. J'aurais été plus vif, on s'en serait sortis tous les deux. J'avoue que ta question, il est mort, tu l'as. Bah en fait, ouais, il y a eu 2-3 coups de feu. Ah, c'est bon. Il y a eu un mini arrêt. Ah, il est mort. En fait, il y a eu un lag. En fait, quand j'ai commencé à les tirer dessus, après j'avais plus de balles. J'ai voulu recharger, il y a eu un gros lag, il se passait que dalle avec mon personnage. Je pouvais me balader. Ah, du bien. Je pouvais me balader autour de lui, mais j'arrivais pas à recharger. Du coup, je suis allé me foutre derrière les casiers, puis je suis mort. Alors que le mec te tirait dessus. En fait, il y a eu un gros lag. J'étais ouais, mort bien ouais. Avant, en fait. Et quand je suis rentré. Bah, en fait, moi, j'ai vu pile poil. En fait, il t'a tué et je l'ai tué en même temps. Ah ouais. Ah bah, il y a eu un gros lag, je cherche pas. Quand je suis rentré, il était en train de looter des tiroirs, ce con. J'ai mis plusieurs balles dans le casque, en fait, et lui mettre dans la bouche. Mais c'est ouf, hein, parce qu'il avait un bon casque audio, hein. C'est bizarre qu'il t'ait pas entendu. Il était en train de looter les tiroirs. Ah oui, bah c'est pour ça, ouais. Mais je l'ai grave entendu, mec. Tu l'avais bien pisté, j'avoue. Ah, c'est con, parce qu'on aurait été bien, en fait. Ouais, ça arrive. Ah. Borg, le retour. What? Ça arrive. Il s'est passé quoi? Non, le team dit j'étais aux urgences. Je m'étais pas covidé au moins. Nino. Ça, je vais bouffer après. Dans combien de temps? Oh là là, après celle-ci, je pense. Ok. Moi, je mange tôt vu que faut que je me fasse de me l'air. Ok, moi, j'irai faire quelques games maintenant que t'arrives. Ouais. Ah, ça change que dalle, hein. J'ai toujours 80 ping. Ah, c'est bizarre ça. Dans le même temps, on est sur des serveurs à perpète. T'as toujours pas la fibre? Non. Oh bah tiens, regarde, on est nickel. Direct. Oh, par contre, fais gaffe, t'as des flashs. Ouais, je vais jouer. Non, non, faut pas looter, faut foncer dans le bâtiment pour prendre ta truc. Ah merde, bah attends, bah oh putain. Le rat, quoi. Ah ouais, je te vois te téléporter, gros. Ah ouais, non, mais les serveurs comme ça, moi, c'est pas pour moi.
Ouais, je me souviens pourquoi j'avais arrêté de jouer avec Mitch. Hein. Parce que ce gars est tout le temps rendu sur les serveurs turcs. Là. Ouais, bah, c'est bizarre parce que bon, enfin, c'est bien, bien plus, mais oui, ça fait des connexions. Habitué à un gameplay de flippette là où il n'y a personne sur le serveur. C'est vrai que ça fait bizarre. Sale que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Là, je vais me faire plaisir, je vais fouiller le coffre. Et... Walou. Un petit cheval. Oh, il y a une veste là, fouille, ouais. Ouais. Donc là ça va être ZB hein, ou le station essence. Ouais bah on va tout faire la station essence. Let's go. Où est l'accident? Ah ouais, elle était restée au milieu. C'est le but du scav là-bas. Ça tire, ouais. En face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Walou. Ouais, c'est qu'on les voit pas. Ils ont fait un peu les loges un peu différentes, elles sont plus belles. Ouais, ouais. Mais il y a plein de choses qui sont différentes. Ils ont modifié un peu certaines maps aussi. Littoral, ils l'ont changé. Ah, il l'a remodifié encore? Ouais, il y a une nouvelle extract, il y a un côté de la map qui est tout à fait différent. Le côté du marais en fait. Ok. Bah je sais que, en tout cas ouais, le phare ils veulent l'agrandir pas mal de fois aussi. Pas comme tout, de toute façon ils l'agrandissent tout. Mais... Ah il est encore là-bas le sniper, mort de rire. Où ça? Ouais le... Il peut pas encore tuer, ouais je vois, je vois. Bon, je le suis d'ici. Ouais. Attends, attends, attends. Y'a un mec. Bah, il me tue moi, ce fils de pute. Mais gros, j'en ai marre de cette téléportation. Là. Voilà, non, c'est fini. Je vais plus sur ce serveur des gitans. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est fini. Plus jamais je vais sur ce serveur des gitans. Merde. Je préfère qu'il y ait plus de monde et je vais bien que je compte des râles, genre. Ils se téléportent, c'est un truc de fou. Oh, je meurs. Non, mais moi c'est bien fluide, hein. Mais c'est pas un problème de fluidité, gros, je vois les gens, ils se téléportent. Ouais. C'est injouable. Une horreur. Ah, bizarre. C'est bizarre. C'est au niveau du ping, de toute façon, on va taper ça. Oh, ça m'a dégoûté, là. Au final, ils étaient 3. Hein? Ouais, ils étaient 3. Voilà. Enfin, ils étaient pas tous ensemble. Hein. Ils étaient pas ensemble, mais. Une équipe de 3. Ouais. Bah, ils étaient peut-être 2 et un mec solo qui est arrivé après. Je sais pas, mais. Mais ouais, j'avoue qu'il faudrait que je change le serveur. Je vais quitter, je vais changer les serveurs. Ouais, c'est une horreur pour les serveurs comme ça, de toute façon, ping. Voilà. Changer de serveur. Ça rend ouf. Non, bah pourtant 52, 64. Oui, non, mais toi t'as la fibre. Moi j'ai pas la fibre. Moi je veux pas jouer en Turquie ou je sais pas où. Là. Ouais, ouais, je les enlève là, puis je prends en automatique. Ah, automatique c'est bien mieux. Gros. Ça te met sur des serveurs vraiment fluide. Gros. Tu vois, le mec il fait un droite, c'est pas. Il se déplace à droite, puis d'un seul coup il se TP de 5 mètres sur la gauche. Tu vois. Pareil, quand tu cours, toi, je te voyais, tu faisais des rollbacks en fait. Ah bah, c'est abusé. Je te voyais faire du moonwalk, c'était n'importe quoi. Ah bah, moi, c'est un joueur quand ça fait ça.
Bon bah du coup je te dis à tout à l'heure. Ouais, bon appétit. Ouais, c'est bien, je vais goûter vite fait. À tout. Là, je vais foutre la merde sur l'usine. Alors...
Yo. Ah, t'as le micro coupé. Ouais, je suis bien. Yo. Ça va? Ouais, Non, je toi. préfère dire mes potes à chaque fois ils parlent dans le vent ici. Bah écoute, ça va, hein? Je suis revenu des urgences il y a pas longtemps et tout à l'heure quand tu m'as envoyé le message, je me suis coupé comme un connard avec un cutter. Comment t'as foutu ça? J'étais en train de couper, tu sais, un truc pour les joints là, la colle pour les joints là. Ah. Et j'arrivais pas à le couper, bref, j'ai été impatient, j'ai pris un cutter, c'est les cutters de merde d'art plastique, et genre j'ai essayé de couper le bouchon, sauf que j'ai ripé vers mon bras. Ah, c'est Et pas du le coup, meilleur bah, endroit pour riper ça. il s'est planté dans mon poignet, quoi. Derrière. Donc ça va, 3 points de suture, c'est juste une bonne plaie, mais c'est tout, quoi. Oui. La pitié, le sang, j'en ai foutu partout. Juste une bonne play m'a sorti, excellent. C'est une pièce de 2 euros quoi la plaie, donc ça va, c'est pas énorme, c'était juste un peu profond quoi. Ouais, c'est un coup de couteau quoi. J'ai rien touché donc tout va bien. Enfin, un coup de couteau, un coup de canif quoi. Ouais, c'est ça, je me suis pris un coup de canif dans le poignet quoi. C'est Voilà. exactement ça. Donc c'est pas très fun, mais ça va, ça fait pas trop mal, c'est pas une zone sensible, tu vois. Non. C'est juste ça lance après coup. On va dire, mais c'est pas une douleur genre en mode, tu sais, tu étais en mode ah j'ai trop mal. J'avais un peu honte aux urgences, j'étais en mode putain j'ai l'air trop bien comparé à certains. Ah bah ça oui. Bon après. Y a des fous, y en a un, je l'entendais au loin, il disait allô, 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 allô. Le mec qui dans sa chambre il gueulait tout seul. Ah mon gars, c'est un cirque les urgences, c'est trop drôle. Bon, c'est pas forcément trop drôle quand il y a des trucs graves, mais là il y avait, franchement il y avait que des trucs de merde, des gens un peu fous. Ok. Pour ça j'ai été pris en charge assez vite, il n'y avait pas d'urgence urgence quoi. C'était que 20 minutes aux urgences dans la salle d'attente. En Après, faut général dire t'es qu'il n'y a parti pas pour que des 3-4 flèches. comme ça. Hein. Hein? Il n'y a pas que des flèches. Ah non non, il n'y a pas que des flèches aux urgences, t'as des gens débiles, ils viennent parce qu'ils ont rien mais ils pensent qu'ils vont crever quoi. Avec les hypocondriaques, tout ça, plus les gens qui ont aussi un pète au casque, hein, faut dire. Les gens, les hôpitaux psychiatriques qui débordent, du coup on les laisse chez eux et t'as des gens bah, qui ont besoin de soutien mais qui n'en ont pas quoi. Ils vont où? Ils vont aux urgences, là où ils vont au seul endroit où il y a des médecins. Sur Tarkov là. Ah, ça fait du kill. Ouais, plus ou moins. Ça PLS surtout, j'ai plus de thunes là. Putain, moi je suis dégoûté, j'avais une canette de coca. J'ai allumé ma clope, j'étais trop gorgé. Mon téléphone a sonné, j'étais en train de discuter avec mon daron pour lui dire que c'est bon, tout va bien pour l'assurer, tu vois. Et en discutant, j'ai cendré dans mon coca et j'ai fait ah putain. Du coup, je me suis niqué ma seule canette de coca. Le sucre, je t'avoue, ça me fait du bien. J'ai un peu pissé le sang. Ça m'a bien réveillé. Mais j'en aurais bien bouffé plus. Ouais, bah écoute, en parlant de coca, moi je descends en ville demain, je reste à demain. Ouais, ça demain. Moi je vais jouer la De l'eau, VPN. hein? Est-ce que ça? Joue pas Tarkov, toi. Non, je vais pas. J'ai essayé de me le faire acheter déjà. Des balles Non, Tarkov, j'ai pas. T'as essayé de me le faire acheter, mais je t'avoue, je suis pas motivé encore pour l'instant. ouais, il est bien le Attends. jeu. Non, je te crois, mais dépenser 40 balles pour peut-être faire juste 2 parties, tu vois, pour l'instant, c'est ridicule. Après, ouais, si t'aimes pas les FPS et tryhard, c'est mort. J'aime bien les FPS, mais c'est le tryhard, moi, qui m'embête. Ouais, mais.
pas un tryhard. Ça veut dire que ça me casse les couilles, ça me casse les couilles. Je suis pas là en mode vas-y, je m'en fous, je vais l'avoir. Non, je fais tu sais quoi, vas-y, ça me saoule. Pas très patient pour ça. Ouais, j'imagine. À moins que le jeu soit fan, tu vois, genre les Kingdom Hearts, je me suis tapé tous les boss secrets cachés parce que là je kiffe l'univers de fou, donc c'est plus par curiosité. Mais si le jeu, imaginons, je suis pas en gros kiff sur le jeu, machin, j'ai jamais tryhard. On va les mettre. Hop, tac. Ah, tu mates Boba Fett? Non, j'attends qu'il y ait plus d'épisodes qui soient sortis. Là, franchement, moi, je kiffe pour l'instant. Je peux pas encore mater. Mais de toute façon, c'est Star Wars, donc si t'es un grand fan de Star Wars. Oui, je suis un gros fan de Star Wars. Mais tu peux que aimer, quoi. Après, c'est... Le truc, c'est... Bah, en fait, j'aime, mais le truc, c'est que ça enlève un côté de Boba Fett, mais ça me l'avait déjà fait dans Mandalorian. C'est en mode. Tu sais, Boba Fett, moi, je kiffais son côté mystérieux, genre Mandalorian, tout simplement. En fait, Mandalorian, je trouve, il ressemble plus à Boba Fett de l'époque qu'à Boba Fett lui-même. Ouais. Le mec qui parle pas trop, qui est hyper mystérieux, qui a tout le temps son casque, tu vois. Ah, c'est pas le même délire. Alors, ouais. alors que là, la série, elle est sur lui. Et ouais, bah, normalement, je pense qu'il aurait dû être plus secret, tu vois. Mais ils peuvent pas faire un personnage parce qu'il y a déjà Mandalorian qui est comme ça. Qui est très. Même s'il monte sa gueule ou on l'entend parler, il est très secret, tu vois. Bah, Boba Fett, avant d'être très secret, c'était quelqu'un de très sociable. Hein, il a quand même un fils, etc., tu vois. Non, Boba, il a pas de fils. Si. Non. Si. Ah, il a pas de gosse, hein, Boba. C'est Django qui a fait un fils. Ah putain, oui, je me meurs là. Ah, Boba, c'est fils, justement. D'ailleurs, son histoire, elle devrait commencer à Kamino. Bah, elle a commencé à Kamino, en fait. Ah, bah, ça va. Du moins, elle a pas commencé à Kamino. Elle a exactement, ça veut dire que ça a commencé à Kamino avec son père qui l'a élevé parce que bah, c'est un clone. En soi, c'est un clone de son père. Sauf que c'est un clone qui vieillit normalement comparé aux autres qui sont accélérés. Ah, parce que donc, c'est lui la base du clone, en fait. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Et donc il avait demandé un clone perso. Il avait dit pas de soucis, vous me payez. Et en plus de ça, je veux un clone à moi, mais qui vieillit normalement. De moi, je veux un gamin, tu vois, mais qui sera moi, tu vois. Et en fait, donc il l'a élevé, tout ça. Il lui a appris donc un peu à être un chasseur de primes, etc. Et après, bah, me spoil pas. Non, mais après, c'est dans l'épisode 2, ce qui lui arrive à Jango Fett, dans Star Wars épisode 2. Ah. Après, dans l'arène de Jango Fett, tu sais, il tombe sur Mace Windu. Mace Windu, il le charge et il essaie de s'envoler, sauf qu'il n'y arrive pas et il se fait couper la tête. Ouais. C'est le petit qui récupère la tête. Ouais, ça, je me souviens. Et donc, en soi, il récupère le casque de son père avec la tête dedans. Ah merde, toi, il mâche. Joyeux Noël. T'as eu quoi comme cadeau? Oh bah, j'ai eu un casque avec une tête dedans. Un casque avec la tête de mon daron, elle était vachement bien faite, hein. Ça faisait un peu crado, mais elle était vachement bien faite, hein. Elle a pas tenu longtemps, hein. Il y a des fourmis et tout, maintenant, c'est dégueulasse. Excellent, quoi. Et en soi, là, après sa vie, bah, il est devenu chasseur de primes très jeune, quoi. Dans les comics, t'as des réponses à ça. Dans les comics, je les mate pas trop. Ah, moi, je les kiffe, je les achète, ils sont vraiment cool. Et surtout qu'en plus maintenant ils sont en train de rendre canon plein de trucs qui étaient légendes. Je sais pas si tu connais la différence. Non. Entre canon et légende. En fait, il y a eu plein de produits Star Wars avant que Disney rachète qui étaient considérés comme légendes. Ça veut dire qu'ils faisaient partie de l'univers Star Wars, mais pas de l'histoire officielle. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Ça n'a pas existé, tu vois. Et il y avait le côté canon. Et là, depuis que Disney a récupéré, Dave Filoni, le mec qui fait les Clone Wars et tout ça, et bah lui, il récupère plein de trucs légendes et il les fout canon. Et du coup, par exemple, là, c'est officialisé, on va avoir l'ancienne République avec Dark Revan, tout ça, en série. Alors qu'à la base, c'était légende et c'est tiré d'un jeu vidéo qui était fou. Mais il a décidé de le canoniser. En deux mots, de le rendre dans l'histoire. Ok, c'est bon, on accepte, ça fait partie de la vraie histoire. Ok. Sinon, des histoires, il y en a plein qui sont pas officielles et ça fait trop chier. Ouais. Et maintenant, il y en a plein qui sont officialisés en mode ouais, ouais, c'était ça. Par exemple, Boba Fett qui sort du Sarlacc, bah parce qu'on sait qu'il est tombé dans le Sarlacc, donc tu sais qu'il sort s'il est vivant. Tu sais, la créature de sable dans laquelle il tombe dans l'épisode 6. Ouais. Quand on pense qu'il meurt, Boba Fett. Mmh. Et bah voilà, ça avait été fait dans les comics en légende. Ce truc, toute cette partie où en fait, comme quoi il a survécu, tu vois.
Mais c'était légende, c'était pas officiel. En soi, en officiel, il était mort, Boba Fett. Ouais, je vois. Et Dave Filoni, en fait, il a repris des trucs de légende. Ouais. Ils font pas que inventer, tu vois. Ah, puis je vais me faire un petit scaf. Tu veux faire quoi? Un scaf. Un scaf. Ah, faut jouer à Tarkov pour comprendre. C'est une arme, le scav. Non. Non ? Non, non, un scav, c'est scav. C'est un scavenger, c'est un. Hein ? Je pense pas que ce soit ça, parce que sur Google, c'est le service des concours agronomiques et vétérinaires. Ah, d'accord. On va te faire ça. Non, non. Peut-être que tu faisais une école de. Non, non. Ouais, faut que tu joues à Tarkov, gros, pour comprendre. Ou alors battre la stream, si tu veux. Oui, oui, bah oui, tiens. Tu verras bien, mais ouais, je vais me faire un petit scav. En gros, sur ta coffre, t'as accès à deux personnages. Ah, attends, je vais couper le son du coup, sinon je vais retourner. Ah, tu vas t'entendre en double. Ah ouais, si tu veux, je coupe mon micro sur le stream. Oui, non, mais moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Si tu t'entends double décalé, tu t'auto-coupes la parole. De toute façon, tant que ça se trouve une game, ça va mettre 10 ans. Ouais, ça met un peu de temps. Ouais, en scav, ouais, c'est tombé. En scav, c'est lui là, c'est le mec scav. Ouais, mais en fait, un scav, c'est un personnage que tu ne. Ouais, tu choisis pas son équipement, tu vois. C'est différent d'arrêter dans un coopérateur. Ah, d'accord, oui, c'est un mode de jeu carrément. C'est pas un mode de jeu, ça fait partie du jeu. Oui, mais c'est, je vois que c'est différent d'un raid en tant qu'opérateur. Ouais, c'est ça. En fait, ton personnage principal, tu l'équipes toi-même, tu vois. Alors que là, l'équipement, il est aléatoire. Ok. Et tout ce que tu vas ramener, si t'arrives à sortir vivant, ça va dans la base de ton personnage principal. Ok, ouais, je vois que si tu meurs, c'est pas grave. C'est ça. Il y a une histoire de réputation aussi, mais j'en ai rien à foutre. Je bute tout ce qui bouge. Voilà, j'en ai rien à foutre. Ce qui est important, c'est le stuff. Ouais, déjà, pour commencer. Et puis j'ai pas que ça à foutre. Faire le free and lee et me prendre des balles pour les autres. C'est bon, j'ai assez donné. J'ai assez donné. Les mecs, ils arrivent en vocal. Hello, hello, free and lee, free and lee. Et ta gueule. Ah, mais moi j'ai trop fait de DayZ pour plus croire ça en fait. Ouais, déjà il y a ça aussi. Ouais. Je l'ai trop entendu. Freddy, tu commences à jouer avec lui, et dès que t'as du stuff, t'entends PAH! Et tu fais ça, le fils de pute, il m'a mis une balle dans le dos quoi. Ouais, bah c'est ça. C'est rare les mecs qui sont friendly, j'en ai croisé qu'un jusqu'ici donc. Non, ça arrive, moi j'ai fait des bonnes parties, mais en règle générale, les mecs c'est. Les gens c'est des putes en règle générale. Ah, t'as des gens cool, mais en règle générale c'est des putes. Ouais, ça va. Tu peux pas dire mieux. Après sur les aides, parfois moi je donnais toujours la chance jusqu'au moment où j'avais un mec friendly et là on arrêtait de dire oui au friendly pour parce qu'on se faisait buter la team, tu vois, et ça fait trop chier. Mais donc du coup on faisait non non no friendly, pas. Ah moi je réponds même plus là, non c'est fini. Ma réponse c'est une balle dans les dents quoi. Si j'en prends pas une avant quoi. C'est ça, ouais bah c'est con mais tu risques moins. Ah bah oui clairement. J'en ai plus rien à faire. Là, j'ai l'impression, ça me fait la sensation de me fouler le poignet. Hein? Non, c'est un peu. J'ai l'impression de me fouler le poignet dans la sensation que ça fait. Tu vois, ça, je peux pas trop réguler le poignet. Attends, je t'entends pas. Je suis en jeu. Ah, ça y est? Ah, j'ai plus de soucis. Il raconte sa life, lui. Et là, attends, j'ai quoi sur moi avant de faire le coup? J'ai que de la merde. Il y avait un mec.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait. on va faire ça comme ça, hop. Hop, hop. Il avait une sacrée M4. Il avait que de la merde. Alors attends, c'est quoi mes sorties? Ok. Direct sur la sortie. Moi je pourrais rester plus pour goûter un peu plus, mais pas trop envie. Oh ça va, t'as acheté des bons trucs hein. Ouais, ça me suffira. Je vais aller jouer avec après avec mon PMC. Hop là, et voilà la sortie. Donc là j'ai perdu la réputation. Et je m'en bats les couilles. Ah oui, c'était des alliés. C'est des scaves aussi. Mais bon, on va faire la différence entre un scave et pas un scave. Bon. Ouais. C'est n'importe quoi leur connerie. C'est pas marqué sur leur front quoi. Ah donc bientôt t'auras le trophée je suis un enculé quoi. Bah les couilles. En fait ça je le vois ici, regarde, attends. Non je le vois pas. Attends. Si je le vois après, attends, rien. Je vais poser le stuff. Tac. Et là tu vois, regarde. Pénalité d'élimination de scav. -0.17. La réputation, parce que je suis sorti vivant, je gagne 0.01. Donc là, tu vois. Ah oui, t'as perdu plus que t'as gagné. Ouais, bah, je m'en bats les couilles. Là. Je suis à -2 quelque chose. Au niveau de la réputation. Parce que t'as plus de chances de tomber avec des joueurs qui n'ont pas de réputation quoi. Et vu que tu... Ah non non non, sur ce jeu il y a aucun matchmaking. Plus, ah oui, donc tu t'en fous. Tu peux très bien, tu peux très bien tomber avec personne. Enfin avec des gens qui valent rien, ou tu vois, il y avait personne autour de moi. Ouais, tu peux tomber aussi bien sur un serveur où il y a des mecs qui sont trop friendly, qui jouent trop friendly. Ouais, tu peux, ou tu peux très bien tomber sur des PGM de la mort qui te foutent des balles à 300 mètres. C'est ça, qui font un vidage de map pour te choper. Ah ouais, il y a pas de pitié sur ce jeu, c'est un truc de ouf. Ah, c'est vraiment une M4 que j'ai pété, ah, trop bien quoi. Et je suis même sûr que... Je suis même prêt à parier que c'était un scav genre. Pas possible qu'il y ait ça sur lui quoi, je sais pas. Ah ouais, bah regarde, c'est une M4 qui était même pas Finding Red. En fait, si tu veux, regarde. T'as une petite encoche quand c'est des objets trouvés en raid, tu vois. Et là, y a pas. Donc ça, c'est une M4 qui était sur un joueur. D'ailleurs, elle est dégueulasse. On la modifie un peu. Ça, on va l'enlever. On va mettre ça à la place.
voir si je peux pas mettre un petit silencieux là-dessus. Faut enlever ça. Un peu là quand même. Le médecin t'a pas fait un bisou magique? Hein? Le médecin t'a pas fait un bisou magique? Ah non, il m'a fait une couture magique. Ouais. Après avoir bien piqué au niveau de la plaie en écartant bien pour faire ses... l'anesthésie, j'étais là. Aïe. Mais ça va, je suis pas douillé, du coup j'étais là. Ah, ça pique un peu quand même hein, dans ma tête. Et après, il m'a reçu à voter quoi. Nous, il est nettoyé, anesthésié, cousu, fin. Ouais, bah écoute, tout va bien. Ouais, bah, après, c'est normal que ça me fasse mal, hein. Je me suis planté quand même. À quelle idée de. Mais là, ça fait une bonne crampe dans tout l'avant-bras quoi. Genre, je le sens. Quelle idée de se mettre un cutter dans le bras quoi. Ouais, vraiment. En plus, au moment, forcément, au moment où je me suis coupé, au moment où j'entreprends l'action qui m'a coupé, je me dis, vas-y, tu vas arrête tes conneries, tu vas te couper, bâtard. Je l'ai quand même fait. Hein. Oh. C'était le moment con où tu... L'impatience. L'impatience. À vouloir faire trop vite, tu fais de la merde. Ça va. Voilà, moins de recul, moins de chauffe, maintenant il me faut une petite poignée là, du style ça là, non pas ça. Bon, en fait ça change que dalle. Je vais laisser comme ça. Tac. Ça, je vais les vendre. Là, pour PC, geeker le PC, ça va, mais. Tu sais, quand je bouge les doigts, ça me fait un peu de vibration, ça fait chier. Ouais. Une console, je suis pas sûr, console. Ah, je peux bouger mes doigts, mais. Donc, regarde pour te montrer en fait. Pour te montrer, en fait, t'as deux personnages différents. T'as ton PMC à droite, et là t'as le SCA. Ok. Et là, tu vois, comme je viens de sortir, il me reste 28 minutes à attendre. Ah oui, tu peux pas le farmer, ok. C'est ça. Et si j'avais pas une réputation de merde, j'aurais que 15 minutes à attendre, un truc comme ça. Regarde, ma réputation au niveau du vendeur, elle est à moins 2.24. Non, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même un malus à avoir une réputation d'enculé. D'accord. Mais c'est complètement débile. Ça m'empêchera pas de continuer en fait, tu vois. C'est... Bah ouais, c'est clair. Et au contraire, ça m'incite à le faire plus, tu vois. Ils veulent me faire chier, bah t'inquiète pas, gros. Alors là, ouais, je. Mais après, le temps, il va pas s'allonger. Non, parce que plus j'améliore ma base, regarde ma planque ici. C'est pas 30 max. Ok. Plus j'améliore ma planque, plus le temps il va diminuer en fait. Ici au centre de renseignement, tu vois, compte à rebours du SCAV, moins 16%. Voilà quoi. C'est stylé hein? Par contre attends, je vais quitter la planque parce que je t'entends pas. Avec le son c'est... Hop là. Donc là du coup je vais comment...
vais aller me mettre devant une série parce que je suis en train de douiller là. Je pense que je vais me poser tranquille sur le canapé. Ouais, bah vas-y. Bah à toutes. Hardy. Et Space and Dinner, ça te redit pas? Je le dirai. Ouais, c'est 30 gigas au pire, hein, si vous pouvez installer. Oui, je réinstallerai s'il faut, mais honnêtement, je pense pas que j'attendrai. J'ai plus trop envie, ça m'a saoulé en vrai. Oh, bah c'est beaucoup de temps, hein. Ça prend du temps. Hein. Bah, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça m'endort, et après, quand j'entends sur les FPS et les jeux où faut être un peu plus nerveux. Ouais, t'es peu de temps, c'est parce que t'es en mode. Ouais, j'aime pas ça, tu vois. Ouais, c'est chill. Les jeux de chill que je joue en général, c'est des jeux vraiment solo ou alors du League of Legends, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et encore, même League of Legends. Faut être énervé parce que si tu rates tes spells. Tu te fais un peu enculer quoi. Ah bah, je sais que moi, mes potes qui y jouent, ils ragent hein, sur League. Moi, c'est un gameplay, ça m'attire pas. Après, je sais que c'est un jeu qui marche, hein, c'est pas pour moi qu'il est premier. Hein. Non, mais ouais. Tout le monde rage sur tous les jeux de toute façon, gros. Oui, mais après, il y a vraiment un côté compétitif qui est bien foutu, et ça, j'accepte, mais moi, je suis pas assez compétiteur, surtout dans ce genre de jeu. Bah, Tarkov, c'est pareil. C'est quand tu... Ça, en fait, si je pars sur une map en PMC, si je crève, je perds tout. Tout ce que j'ai sur moi, c'est bye-bye, tu vois. Ouais, c'est le genre de truc, je peux jouer, faire quelques parties, ça m'amuse, mais après, ça me fait rager, et je fais... Pff, c'est quoi, ça me garde. C'est ça. Sinon, je peux lancer des maps hors ligne, tu vois, pour tester, mais... Oui, mais bon, ça vaut pas. Ah, je gagne rien en fait, c'est juste pour tester. Ouais, j'aime le PVP, tu vois, mais tout perdre, ça me casse les couilles. Ouais, c'est aussi du hardcore shooter en fait. J'ai joué des années à DayZ, tu vois, mais DayZ, y a des fois, j'avais envie de casser mon ordi, tu vois. J'aime pas en fait m'énerver sur un jeu vidéo. Ouais, ouais. Et après, pour te dire un dernier truc, après, tu vois, chaque vendeur, il te donne des quêtes. Ouais, pour améliorer tel ou tel truc. Ou... Après, le jeu, il est en bêta. Hein. Toutes les quêtes auxquelles on a accès, c'est que des quêtes secondaires. On n'a pas encore accès à la trame principale. Ouais, ils vont faire une histoire. Ce qui paraît, ils sont censés faire un jeu solo et multi en fait. Ah, ça c'est stylé. Mais il va y avoir un côté où t'es pas obligé de te taper les joueurs en fait. Ok. Je suis ouais, même prêt à parier qu'il y aura un côté coop, je pense. Bah, comme ils ont fait pour. Regarde, Sea of Thieves, au début, il y avait quasiment rien à part un peu de PVP et choper des coffres. Tu vois, c'était très simple, mais ça marchait. Et petit à petit, ils ont amélioré leur jeu de fou. Et maintenant, si tu veux juste faire des quêtes solo ou juste avec tes potes en mode histoire sans te taper les joueurs, bah tu peux. Ouais, je suis au courant de ça. Mais j'y joue pas celui-là. Ah, j'aurais dû leur demander au médecin si c'est normal parce que j'ai mal à la main. J'espère que ça va pas relier. Parce que vu qu'il est mal vu, le médecin, vu qu'il n'y a pas eu de radio, tout comme ça, il a fait à l'œil en mode oh, c'est superficiel, il a écarté un peu, tu vois, frère, doucement. Et ouais, enfin bref. Ah, hier soir j'ai maté un film, j'ai rigolé. Tu vois le film qui s'appelle Hitman et ses bodyguards. Ouais, avec j'aime trop putain comment il s'appelle l'acteur principal. Ryan Reynolds. Ouais, et du coup j'ai maté le 2 en fait. Je sais plus si je l'ai vu. Et franchement, j'ai cliqué au hasard parce que je savais pas quoi mater et je me suis tapé des barres. C'est n'importe quoi du début à la fin. Bah, le 1, je sais que je l'ai vu, le 2, je t'avoue que j'ai un doute, mais je sais que j'en ai vu un récemment donc ça doit être le 2. Bah, tu veux un lien pour le mater? Bon, oh, j'en ai, ça t'inquiète. Ah, c'est bon. De toute façon, je t'avais déjà filé le site, je crois. Mais je me demande si je l'ai pas. Je me demande si je l'ai pas maté, mais en mode, tu sais. J'étais fatigué, du coup, je m'en souviens pas trop. Ouais, je sais pas, écoute. Ça me dit vraiment quelque chose avec comment elle s'appelle si je l'ai vu. Après c'est pas un must have see hein, tu vois enfin. Oui non mais c'est un film sympa, c'est un film fun quoi. C'est ça. Comédie américaine comme ils savent bien faire. Sinon il y a The Expanse en ce moment là. Ouais bah je t'avoue, moi The Expanse j'ai un peu du mal. J'avais un peu lâché et reprendre, j'ai un peu du mal à reprendre. Oh, moi je kiffe. Moi. Pourtant je kiffe la science-fiction de fou. Mais... D'ailleurs, ce soir il va y avoir un épisode qui va sortir. Hein. Je sais pas s'il est déjà sorti, attends, je vais voir.
dire ça. De toute façon, tu me mates pas, ça va, enfin, bref. Oui, tu peux me spoiler, y'a pas de soucis. Moi, je m'étais arrêté quand ils étaient, tu sais, au virus alien, là, bizarre. Ils avaient trouvé la source, machin, et après. Ah, mais la suite, c'est une dinguerie, gros. Après, ça m'a paumé, et je savais plus où reprendre, j'avais la flemme de reprendre ce que j'avais déjà vu, tu vois. Franchement, je te souhaite de la mater la suite. Moi, j'ai un souci avec les acteurs, en fait. Avec certains acteurs. Ils m'énervent. Genre, j'aime pas leur jeu du tout. Ah, bah ça. Tu vois, c'est plus ça, en fait. Donc, ça me bloque un peu. Il y en a que j'aime bien, mais il y en a où je suis là. Je trouve ça un peu trop simpliste, blabla. Tu vois, c'est con parce qu'il y a des côtés très bien dans cette scène, mais j'arrive pas à me raccrocher. Et j'ai envie, j'ai essayé plusieurs fois. Parce que j'adore la science-fiction, et je sais qu'en science-fiction, c'est la partie des bons trucs. Mais j'ai décroché et j'arrive à revenir à la parole. Enfin. Du coup, tu vas être maté quoi là? Je sais pas, je vais regarder ce qu'il y a sur un peu Netflix. Tout ça. Ok. Je vais regarder sur ma console. Yes. Vas-y. Sur l'ordi, là, je t'avoue. En fait, mon bras, il est pas dans la meilleure position. Ça me fait mal. Je pense que si je me pose tranquille, ça va pas. Ouais, tu verras bien. Ah, ce que j'ai envie, c'est geeker, mais si ça me lance comme ça ma main, je repose quoi. Bah, tu viens de te mettre un coup de cutter, gros. Va te poser. Chill un coup, bois un truc sucré, ça te fera du bien. Et je veux jouer, putain. Oh, ça va, j'ai pas la tête qui tourne ou quoi, je me sens pas mal, c'est juste ça me lance quoi. J'ai le bras, tu sais, qui me lance quoi. Ouais. Ah, si t'es mis un coup de cutter, gros, enfin c'est pas rien. Ah ouais, je sais, je suis un polo. C'est pas rien. Oh bah vas-y, à tout à l'heure. Yep, à toutes. Bazo, bon game. Yep, merci. Subject, new paper, new class, new school, new buddies, new haters, new ass, new boobs. Much later, too soon, too bad, too cool, too hot, too new, too high, too new, too eyes, too you, too high, too blue, too high, too you, too middle finger, too high, too low, and maybe too soon. Goddamn, you, I am the guru, the voodoo, that's you, do the high end, the shooter, that's you, do the curve, and see through the comment, and I am diamond. I turn the goddamn bit to the gospel, and roll from the diagram and get to the jam, man. Watch for the spot, can't sit back and watch it, do not watch it, watch it, give me some time. I'm not trying to be the front man. I'm not denying, don't put me rockin'.
picture and shit, how I altered this shit. Tattoo Subu, who got it, Nubu. Tattoo Subu, who got it, Nubu. Tattoo Subu, who got it, Nubu. All of that shit just a call of a bitch. You changed. Subu, who got it, Nubu. Tattoo Subu, who got it, Nubu. Tattoo Subu, who got it, Nubu. If it wasn't for Wayne, it wouldn't be. You might think they've got a pretty good jump shot. Or a pretty good flow. But our kids can't all aspire to be LeBron or Lil Wayne.
Oh.